Bienvenue à la Porte du Lion, une puissante fenêtre d'opportunité pour notre expansion et liberté d'être. Le 8 août, les astres de notre terrain de jeu cosmique s'alignent dans une danse céleste. Le Soleil en Lion, Orion et Sirius unissent leurs forces pour nous chuchoter à l'âme. Es-tu prête à déployer tes ailes, à faire confiance à l'orchestration de la vie et à explorer des royaumes au-delà des limites de tes croyances actuelles. Accordons-nous à cette énergie vibrante et laissons émerger ce qui doit naître, tel un chant nouveau qui attend de se faire entendre. Inspire, rejoins les paumes au-dessus de la tête, expire, trace un trait devant toi, les mains devant le cœur. Inspire, élargis les côtes de droite à gauche. Expire, prolonge ta présence dans le bassin, les cuisses, les mollets, les plantes de pied. Inspire profondément dans la poitrine. Expire, prolonge ton attention jusqu'au noyau de la terre. Maintenant, viens en équilibre sur le pied gauche et commence à secouer le pied droit. On enlève la poussière, on enlève tout ce dont on n'a plus besoin. Accélère la secousse sans la remonter jusqu'à la hanche droite. Accélère encore aussi vite que tu peux. Respire, repose le pied droit. Prends équilibre sur ce pied droit et commence à secouer la cheville gauche. Accélère la secousse sans la monter jusqu'au fessier gauche. Respire, laisse aller une détente avec la secousse. Maintenant, pose les pieds un peu plus larges que les hanches, fléchis les genoux et rapproche et éloigne les genoux de plus en plus vite jusqu'à sentir les cuisses, les mollets secouer, secouer. Super, accélère encore. Respire. Maintenant, monte dans les hanches. Lève et descends une hanche puis l'autre. Accélère. Tous les muscles du corps, toutes les parties molles commencent à vibrer, danser, rebondir. Relâche les bras, la mâchoire. Et laisse-toi complètement abandonner à une secousse du corps entier maintenant. Permets-toi de faire une danse qui t'est propre. Tu peux sauter sur place, secouer la tête, les bras, les épaules. Continue encore quelques instants dans le silence. Dernière inspiration ici. Et à l'expire, immobilise-toi. Sens l'énergie de vie pétiller dans le corps. Remplis la poitrine de prana. Expire et écarte les jambes pour Devyasana, posture de la déesse. Les genoux au-dessus des chevilles, pointe le coccyx vers la terre. Déchire le tapis entre tes deux pieds en pressant les avant-pieds et les gros orteils dans la terre. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire et permets-toi de nettoyer ton espace, ton aura, ta zone de vie avec un balayage des bras. Au passage de tes mains, tout commence à circuler avec plus d'abondance, de liberté. Permets à ce mouvement d'être totalement intuitif. Balaye là où tu en ressens le besoin. Inspire, expire et trois options. Descends attraper les mollets
et presse tes coudes à l'intérieur des genoux pour les éloigner l'une de l'autre. Tu peux soit rester ici, ou si ta mobilité le permet, descends en Malasana, notre squat indien. Si tes talons ne touchent pas, mais presque la terre, tu peux aussi rouler le tapis sous les talons. Une fois en place, grandis-toi, inspire et expire, sans l'espace de la couronne s'ouvrir, l'espace du cœur s'ouvrir, l'espace du plancher pelvien s'ouvrir. Une cascade d'eau lumineuse parcourt et traverse ton être. La vie circule librement de haut en bas. Inspire, expire et on descend en Mandukasana, posture de la grenouille. Écarte tes deux genoux l'un de l'autre, aussi loin que tu peux. Les tibias à 90 degrés, les chevilles à 90 degrés. Descends sur les avant-bras. Tu devrais ressentir un étirement à l'intérieur des cuisses. À partir d'ici, peut-être que tu te visualises dans le lit d'une rivière. Un flux d'eau te traverse, de la tête, travers du cœur, du plancher pelvien, travers des jambes. Sens le courant faire son travail alors que tu amplifies ta présence dans l'ici et maintenant. Inspire et expire, relaxe et rejoins-moi à quatre pattes. Inspire, tends la jambe gauche derrière toi et expire, rejoins le genou au front. Inspire, tends derrière, regarde devant et expire, front au genou. Inspire, tends et expire, arrondi. Inspire, tends et expire, arrondi. Continue à ce rythme. Stimulation, nettoyage du canal d'énergie lunaire. Commence à doubler la vitesse. Fais attention à ne pas cogner ton front à ton genou, bien sûr. Super, dernier effort, encore un petit peu plus vite. Et repose, quatre pattes. Prends un temps de récupération, respire. Inspire, tends la jambe droite derrière toi. Et expire, front au genou, arrondis le dos. Inspire, tends et expire, arrondis. Inspire, tends et expire. Continue comme ça. Stimulation du canal solaire. On équilibre la part de nous qui est réceptive et la part de nous qui est active. Le recevoir, le donner pour une abondance circulaire. Double la vitesse. Respire. Dernière accélération. Et repose. Crochette les orteils. Recule t'asseoir sur les talons. On entre dans la posture du lion. Paume de main vers la terre, les doigts pointés vers tes orteils. Dépose les paumes. Inspire, arrondis le dos vers l'arrière. Expire, rugis en tendant la langue vers le menton, regard vers le ciel. Inspire, arrondis le dos. Expire, un rugissement par le souffle, une expiration qui vient du plancher pelvien et sort librement au travers de tout le corps par la bouche. Encore deux fois, si ton environnement le permet, ajoute un réel rugissement sonore. Permets-toi de faire du bruit. Super. Rejoins-moi à quatre pattes et avance le pied gauche entre les deux mains. Repousse la terre du tibia droit, du pied gauche et tends les bras vers le ciel. Inspire, grandis-toi. Expire, descends le bassin vers la terre. Peut-être que tu visualises une pluie
de lumière dorée. Et avec tes mains, permets-toi de peindre cette lumière là où tu le souhaites sur ton corps. Recouvrir ton être d'une peinture dorée scintillante. Dernier souffle, pose tes mains pour encadrer le pied gauche, crochète ton pied droit et avance les deux pieds en haut du tapis. Déroule le dos, 3, 2, 1. Inspire, rejoins les paumes au-dessus de la tête. Expire, main devant le cœur. Inspire, tire, ouvre l'espace du cœur, les bras en croix. Pointe les doigts vers l'arrière, les poignets à 90 degrés. Baisse les épaules, inspire, ouvre davantage le cœur. Expire, plongeon du cygne. Inspire, dos plat. Expire, recule le pied gauche, loin derrière. Pose le genou. Repousse la terre du tibia gauche, du pied droit, relève les mains vers le ciel. Et commence à peindre ton corps de cette pluie lumineuse. Dernier souffle. Repose les mains de part et d'autre du pied droit. Recule à quatre pattes et installe-toi dans la posture du sphinx égyptien. Les coudes sous les épaules, avant-bras parallèles. Presse ton assise dans les talons, avance et soulève ton cœur, le regard sur l'horizon. Peut-être que tu vois devant toi l'alignement de Sirius, Orion, le Soleil, la planète Terre et ton cœur. Un faisceau d'énergie canalisé, confiant, clair et présent. Quand c'est le bon moment, tends les bras et reviens t'asseoir sur les talons. Le cœur va s'ouvrir dans un accueil total de cette énergie abondante. Inspire, rejoins les paumes au-dessus de la tête et expire les mains devant le cœur. Inspire, élargis les côtes, le milieu du dos et expire, main devant le cœur. Imagine briser la cage thoracique, l'écarter, l'ouvrir. Déploie les ailes, pointe les doigts vers l'arrière. Baisse les épaules, inspire et pointe les doigts encore plus loin vers l'arrière. Expire, reviens déposer les paumes à plat sur ton cœur physique et ton cœur spirituel. Qu'est-ce qui est ressenti dans cet espace ? Remarque la respiration s'approfondir naturellement. Le rayonnement du cœur s'expanser. Inspire, rejoins les paumes au-dessus de la tête. Expire, bout des doigts sur le troisième œil. Que mes pensées soient faites d'amour envers moi-même et tout ce qui m'entoure. Bout des doigts sur les lèvres. Que ma parole véhicule l'amour envers moi-même et tout ce qui m'entoure. Main en prière devant le cœur. Que j'incarne l'amour pour mon propre plaisir et pour le plaisir de tout ce qui m'entoure. Adopte la position qui te convient le mieux, assise, allongée, et offrons-nous un instant pour clôturer cet espace avec un mantra qui est venu spécialement pour cette occasion. Sens-toi libre de me rejoindre dans le chant si ça te dit, ou même juste murmurer ou chanter intérieurement. Oh,
Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce portail avec toi. Je te souhaite une fluide, abondante et lumineuse suite de journée, suite de saison. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Pense à souscrire pour ne pas manquer la suivante. Namasté.